suite à la démarche Territoire d'Industrie, qui était une démarche lancée par l'État français, nous avons décidé, avec 8 belles entreprises du Pays Basque, de créer une association qui s'appelle Pays Basque Industrie, dont j'ai le plaisir aujourd'hui d'être le président. L'enjeu de cette démarche, c'est d'abord avant tout d'échanger avec nos collègues industriels des autres secteurs pour essayer de trouver des synergies dans le but de dynamiser l'activité et donc l'économie du secteur et donc l'emploi du territoire. Les objectifs déjà, c'est de créer un lien entre les différents acteurs industriels du territoire. Ce lien évidemment a vocation à s'étendre aux acteurs institutionnels aussi qui suivent les industriels. Le collectif a également à cœur de montrer ce qu'est la réalité de l'industrie de nos jours, puisque l'industrie a souvent une image écornée, avec des a priori négatifs, alors que l'industrie, c'est tout l'inverse. L'industrie, c'est des démarches vertueuses, des réflexions bien en amont des projets et des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et au final des citoyens et même de la planète. C'est une réflexion sur la conception, sur la fabrication, sur les matériaux utilisés, sur les moyens de production, sur l'éco-conception, pour qu'au final, au Pays Basque, nous ayons des usines responsables et une industrie durable. L'association va permettre de partager de bonnes pratiques, de faire monter en compétences les industriels dans le but de développer positivement le tissu économique local. Lors des tables rondes de Territoire d'Industrie, un constat collectif a été fait sur l'importance pour le territoire industriel de se développer pour attirer de nouveaux talents, source d'innovation et de compétitivité de nos entreprises. Des sujets aussi importants que la formation, le recrutement, la transition écologique, la responsabilité sociétale des entreprises, mais également des sujets techniques tels que la robotisation, la digitalisation, l'usine du futur, l'automatisation, ont été identifiés comme des vecteurs communs de croissance pour l'industrie du Pays Basque. L'association finalement va apporter tout ce que l'industrie peut apporter dans un territoire, que ce soit en termes de qualité et pérennité d'emploi et aussi en termes d'attractivité technologique et économique. Au-delà de ça, on a aussi des enjeux au niveau échange, au niveau synergie. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'intérêts et qu'on avait des attentes et des besoins communs, que ce soit au niveau de l'automatisation, de la digitalisation, la compétitivité, mais aussi la formation sur la partie ressources humaines, le recrutement. Et également, on a aussi des challenges environnementaux qu'on doit mener et on a trouvé aussi des chantiers communs qu'on pouvait mener ensemble. Et c'est dans cet essence-là qu'on a voulu vraiment se regrouper et de travailler activement entre industriels du secteur.